bien, ça c'est Jacques chapitre 2, le verset 14. Et nous prenons faire lecture dans Jacques, et puis verset 1er, où nous allons explorer chapitre ça ensemble avec nous. Et à souhait, nous prenons parler la foi et les œuvres. Ça nous prenons parler de la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. La Bible dit qu'on sait que une foi qui pas gain action de elle, son foi qui mourit. Ah, moi je crois que n'a fait un très très bon parcours à soir dans la foi et les œuvres. Ou même qu'a suivre virer biboutou dans Jacques dans Jacques chapitre 2 et c'est comme ça nous pral faire lecture dans passage ça. Mais nous alors on nous commencer de préférence à partir du verset 14 à continuer et puis comme ça nous va jouir d'être capable de dire parole là dans la dimension que nous devons jouer. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, et n'applique comme ça. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça, c'est parole pour Dieu. Dans Jacques, chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 22. Quoi me souvenez, arrangez-vous, nous pourrons faire un très bon parcours à ce soir dans la question la foi et les œuvres. Question la foi et les œuvres. Martin Luther, tu as gagné un gros problème avec. Et Jacques chapitre 2 verset 24, nous pas arrivé dans verset 24 là, mais on est capable de lire verset 24 là pour tout. Et Galates chapitre 2 le verset 16. En nous regarder qui ça verset 24 dans Jacques là dit. Verset 24 dans Jacques dit comme ça que vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il faut souligner ici la foi seulement. Donc il dit que nous pas justifié. Nous, alors il dit, voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Très important, mais à Martin Luther, il y a un gros problème avec une telle déclaration. Parce que Martin Luther a réalisé que dans Galates chapitre 2, la Bible dit clair que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Mais c'est par la foi qu'on est justifié. Lorsque Martin Luther lit Jacques, chapitre 2, verset 14, verset 24, et Galates, chapitre 2, le verset 16, chapitre 2, alors Martin Luther dit qu'il y a un problème à Jacques sous bagay ça. Et l'histoire a montré que Jacques a gagné un problème sérieux, alors Martin Luther a gagné un problème sérieux avec Jacques lorsque le passage à Paul dit comme ça que moun justifié par les œuvres. Ça t'a causé, Martin Luther, gros problème. Et puis devant, ça va le clarifier. Hein? La Bible va le montrer nous que ça, Jacques a parlé, ce n'est pas effectivement que moun justifié par les œuvres. Ce n'est pas ça le livre. Mais il voulait montrer que moun pas justifié par la foi seulement, à savoir, le dit pas justifié par la foi seulement, ça veut dire que faut que la foi gagne l'accompagner de action. C'est ça Jacques a montré. Et nous pourrons clarifier ça pour vous, ou même tout. Vous pourrons comprendre
ou non seulement comprendre problème Martin Luther te gagné avec Jacques, mais ou pral comprendre plus bien que ça Jacques a dit. Jacques pas dit en aucun cas que moun capable justifier par résultat travail, par les œuvres ou bien par les dons que vous faites, surtout une série de religion qui croit que à force que ou bail don, donc ça capable justifier, ça capable faire de ou un monde sauvé. La Bible pas dit ça et ça et Jacques Abdia dit pas du tout la justification par les œuvres à proprement parler, mais elle parlait de justification par la foi accompagnée des œuvres, à savoir c'est la foi plus action. On va avancer plus loin pour capable comprendre très très bien. Au verset 23, Jacques dit un bagage et on a regardé ensemble. Il dit ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture. Qui ça écriture dit? Abraham crut à Dieu, regardez ça. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Très important. Jacques dit comme ça que regardez bien Abraham. Abraham, il croit dans bon Dieu. À cause de la foi que le te gagne dans bon Dieu, ça justifie. À cause de la foi que le te gagne dans bon Dieu, ça justifie. Tenez bien. Mais il dit Abraham paraît là. Pour là Abraham montrer que sont monde qui croit dans bon Dieu vrai. Pour Abraham montrer que sont monde qui justifié. Pour Abraham montrer que sont monde qui gagne la foi, mais ça Abraham fait. Bon Dieu mandé Isaac, il décide ba Isaac action. Abraham quoi? Abraham agit. Depuis lorsque Abraham a quitté pays, lorsque bon, l'Éternel Dieu dit comme ça que Abraham, quitte pays ou quitte patrie ou, et où va aller dans pays, va montrer où là. C'est déjà par la foi Abraham levé, quitte pays, quitte patrie, parce que c'est pas même qu'on connaît le bralé. Abraham pas seulement croit que bon Dieu parle avec elle, mais elle agit tout parce que il quitte pays. C'est l'action. Il déplacé. C'est l'action. Maintenant, c'est ça que fait Jacques Pral dit comme ça que, dans, au verset 23, dans Jacques chapitre 2. Il dit, clair, Abraham crut à Dieu. Hein? Deuxièmement, il dit, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham terre les amis de Dieu, les amis bon Dieu, ce n'est pas parce que seulement il croit, mais c'est parce qu'il croit, il fait ça, bon Dieu m'a dit. Et c'est ça Jacques voulait expliquer. C'est ça Jacques a parlé. Jacques a parlé de, ou quoi, mais il faut qu'on d'accord. Pour capable non seulement croire, mais il faut agir tout, il faut faire action. Donc, ça est extrêmement important, que pour moi, que pour vous, pour qui ça? C'est parce que la foi est accompagnée de action. C'est ça que fait Jacques Pral dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si vous dites croire ou pas faire rien, il n'y a pas la foi qu'on y a. Il est capable de croyance, mais il n'y a pas la foi. Extrêmement important. Donc la foi était active avec ses œuvres. Ouais, la foi activée, la foi ou montrer ou quoi c'est leur agir. Ah, très important ça. Ou montrer est-ce qu'on croit bon Dieu vrai, c'est leur agir. Pas oublier ou pas ouais bon Dieu. Ou pas qu'à toucher, ou pas qu'à manger. Ou montrer effectivement son monde qui croit, c'est lorsqu'on pose action. Il y aurait ça la foi et les œuvres. Il y a la foi plus action. Et la foi était complète, alors la foi était complétée, pardon, par ses œuvres. Et s'accomplit l'écriture qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Pour les amis bon Dieu, ce n'est pas seulement où doit croire, mais il faut qu'on agit tout. Excusez. La Bible dit encore dans Hébreux chapitre 11. Alors, on a parlé de la foi. On nous retourne dans Hébreux chapitre 11, le verset premier pour nous garder qui ça la foi dit. Moi, j'aime la version NIV, on a vu une souligne tout à l'heure, mais on nous garder encore qui ça la foi est. La foi est la confiance en ce que nous espérons. Ça, c'est version NIV. La foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est assurance, c'est confiance dans ça m'espérer et assurance de ça m'paoué. Important ça. Depuis, dans la définition de la foi, la Bible montre nous clair que
la foi li marche avec action. À nous prendre dans 8 secondes, le texte a dit. La foi est une ferme assurance, qui s'allie encore? Des choses qu'on espère, et qui s'en encore? Et une démonstration, voyez-vous? Démonstration, la démonstration, c'est la preuve qu'on croit. Sous quoi on pas fait rien, ça veut dire pas quoi est vrai. Oh, on nous prend, lorsque la Bible dit des choses qu'on espère, c'est des bagailles que m'espérer, parce que m'espérer, moi d'accord, vivre tant qu'on monde. Quand on te recevoir déjà. Ça, c'est l'action. En gros, c'est vrai, la foi pas marcher sans action. C'est vrai, Jacques a raison pour le dire comme ça, que la foi sans les œuvres est une foi morte. N'a pas avancé. La foi, mes bien-aimés, est ce que nous assure. La foi est ce qui nous assure que notre espérance est une réalité. Ça veut dire la foi assure-nous que ça nous croit. Liba en vain. La foi dit nous que espérance nous, ça nous espérer alors, li vin nous réalité, même si nous ne pouvons pas encore le voir. C'est vraiment beaucoup kawel, même certain. C'est pour ça que fait une définition de la foi, c'est que la foi, c'est la conviction que Dieu peut le faire. La foi, c'est conviction que bon Dieu fait. Même si vous commencez à dire causer, ou commencez à parler en pile dans la tête, moi, dis-moi comme ça que, ou même, ou peut-être ou pas bon, ou toujours à quoi, une série de bagailles, quoi me souvler, frère avec ce mieux, lorsque vous quoi, ça change tout aspect question. Lorsque vous quoi, ou avez conviction, yes, bon Dieu a fait le vrai. C'est la conviction. Maintenant, la foi aussi, c'est être convaincu de ce que nous, croyons. Nous croyons que ça me croit, il est réel. C'est être convaincu que ce que nous croyons est réel, vrai et fiable. Mes amis, ça à ce niveau, lorsque vous faites nous prenez que, bon, tête nous partie. Ça c'est à un niveau tête partie. Lorsque vous croyez un bagage, tenez bien, la foi c'est être convaincu que ce que nous croyons est réel, vrai et fiable. Regardez ça. Réel, vrai, fiable. On ne peut pas dire. C'est pour ça que faire la foi, l'on exerce la foi, il semble à quelqu'un qui perd du tête livré. Parce que comme on est capable de croire un bagage, on est capable de croire que le réel, ou que le vrai, ou que le fiable, et pourquoi on a touché. Ça, c'est la foi liée. Ça, c'est la foi liée. Mais m'a dit, sous quoi le réel, agit comme monde qui quoi le réel. Ça, c'est l'action. Sous quoi le vrai, agit comme monde qui quoi nos bagailles qui vrai. Ça, c'est l'action. Sous quoi le fiable, agit comme monde qui quoi nos bagailles qui fiable. Ça, c'est la foi liée. Ça, c'est l'action. Vous voyez-vous, ça est extrêmement important. La foi aussi, la vraie foi, a toujours été la manque d'identification du peuple de Dieu. Quand moi-même avais observé bon Dieu a des problèmes avec nous, nous croyons à demi. Parce que bon Dieu n'est pas d'accord avec nous si nous marchons parce que nous, nous venons dans le Saint Thomas. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, est-ce que ça nous est, est-ce que nous avons espéré encore? La Bible dit non, mais non, nous n'avons pas espéré encore, nous sommes. Mais maintenant, la foi, c'est quoi dans ça? Que pas même moi. C'est pour ça que fait apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7, il dit nous marchons par la foi et quoi encore et non par la vue. N'a marché par la foi et non par la vue. La foi et les œuvres, c'est ça d'a étudier à soir. Qui ça œuvre qu'on a? Moi je dis qui ça la foi, mais qui ça les œuvres. Très important pour comprendre ça. Lorsque la Bible dit la foi et les œuvres, Jacques a parlé de la foi et les œuvres. Apôtre Paul a parlé de la foi et les œuvres. Qui ça qui œuvre qu'on y a? Peut-être ces questions à poser et pas répondre. Les œuvres sont les actions ou les actes d'une personne. Œuvre, c'est action que moi-même avais opposé. Moi, quoi et magie. Et n'abîme sous ça très prochainement parce que pendant méditer encore aujourd'hui, hein, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux sous ça. Ou quoi? Ou doit agir. Sous quoi ou pas agir ou pas quoi vrai.
C'est important, mes bien-aimés. C'est comme si la foi, lorsqu'on dit qu'on a la foi, on arrive dans une phase même pour tout non risible devant monde qui pensait ou c'est risible. Parce que pas oublier au coin ça pour quoi ouais. Parce que l'on gagne la foi, monde bon côté au bon raison à la manifestation, mais c'est pas à la croyance. Moun ki bon kote ou, yo bon raison lorsque yo wè son kwè a li rive vrai. Mais c'est pas dans moment kwè là. Lò kwè là c'est moment de côté moun ap di ou. C'est moment de folie a. C'est moment moun ap di comme ça que on a toujours kwè non série de bagaille. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est pour moun ki bon kote ou. Moun sa yo pral bon raison, c'est à la manifestation. C'est ça qui fait sou kwè ou pas agi ou pas kwè vrai. Ou pas quoi. En réalité, donc les œuvres, c'est qui ça que les œuvres? Les œuvres sont les actions ou les actes d'une personne. C'est action ou poser en accord à son quoi. Deuxièmement, les œuvres ou bien l'œuvre est ce que nous effectuons pour une sorte de récompense. Par exemple, ou qu'a œuvre ou qu'a font bagaille pour moun, li récompense pour ça. Œuvre c'est action composée en attendant une récompense. Ça veut dire l'homme quoi tout, moi m'a agi, moi quoi action que m'a posée, c'est parce que m'a allé vers un résultat. C'est parce que j'ai des bagages qui a fait. C'est parce que ça m'a quoi, moi l'a manifesté, c'est ça qui fait magie. À nous regarder qui ça vient encore. Dans le contexte du salut, maintenant, nous ne sommes pas dans le contexte général, mais dans le contexte du salut, lorsque Jacques a parlé la foi et les œuvres, mais ça me suit, je dit. Les œuvres se réfèrent aux bonnes actions que nous accomplissons. En particulier, les actes religieux ou caritatifs, ça veut dire caritatif, là, on fait œuvre charitable, on fait charité, ouais, de la loi de l'Ancien Testament, par exemple. Alors, ou le respect de la loi de l'Ancien Testament. C'est ça, œuvre, c'est des actions qu'on pose, c'est de bonnes actions qu'on pose. De son quoi ou quoi nan bay ou quoi nan supporter moun ou quoi même Jean Jacques so dit là li ou quoi que si ou moun vin côté ou pa ka di ou gen la foi et puis ou gen moyen pour ta bal met gaz nan machine nan et pour ou quitter là les comme ça ou dit bon Dieu béni ou bon Dieu béni ou bon Dieu bon Dieu béni ou Jacques dit comme ça que ça pas la foi parce que la foi accompagne des œuvres si ou pa quoi nan bay. Jacques dit la foi là sont la foi mourir lié. Jacques dit la sont la foi inutile. Bon texte lui même qui dit sont la foi inutile. La foi ça pas utile en rien. Ça veut dire qui ça? Il pas produit résultat. La foi pas produit résultat. Oh, on tourne dans Hébreux chapitre 11. Est-ce que nous réaliser que la Bible dit comme ça que Abel bail une offrande, fait un sacrifice qui plus excellent que celui de Caïn? Mais bien-aimé, le sacrifice c'est l'action. C'est action. Comment le dit Abel te fait encore? Par la foi. Par la foi. Abel pas seulement quoi, mais il quoi tout, faut que li baille bon Dieu bagaille qui est agréable. Et la Bible après des centaines d'années, même des milliers d'années, la Bible rapporte nous il dit c'est par la foi, oui. Abel quoi? Abel offrit un sacrifice qui est plus excellent que celui de Caïn. Donc, vous êtes capable de comprendre avec moi, effectivement, la foi pas marcher sans action, que la Bible est la foi sans les œuvres. Si ou pas faire des actions, la foi sont la foi qui mourit. Donc, nous avons plusieurs types d'actions que l'on a parlé de la foi sans les œuvres. Action que moi quoi et puis m'a pas agi parce que moi ça m'a moi quoi certainement. Ça m'espérait à la privée, mais aussi des actions qui accompagnaient son kweyo, qui s'est aidé moun, supporté moun, offrandou, dit moun, en fait, don avec des frères et des sœurs, moun ki bon koto ki dans le besoin ou aide yo, eh bien, Jacques qualifie bagay sa yo comme action qui accompagnait de moun qui gen la foi. Maintenant, qui relation la Bible, quelle est la relation biblique entre la foi et les œuvres? Quelle relation? Quelle relation qui existait entre la foi et les œuvres?
nous pral garder ça ensemble. Il y a un texte pour garder, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 17. Donc, des œuvres sont nécessaires pour le salut, mes bien-aimés. Des œuvres sont nécessaires pour le salut. Tenez, samedi. Moi, je dis des œuvres sont nécessaires pour le salut. À côté de la foi, des œuvres sont nécessaires pour le salut. Pour qui ça? Parce que l'on croit, quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut que vous posez une action. C'est ça que fait. L'œil où vous sauvez, pour vous vous sauvez, ce n'est pas ce qu'on appelle la foi passive. Par exemple, moi, Joss, dis moi quoi. Ah, moi quoi, moi quoi, moi quoi. Mais non, la Bible elle est plus loin pour dire si tu confesses de ta bouche. Le verbe confesser ici, c'est un verbe d'action. Romains chapitre 10, il dit comme ça que si vous confessez avec bouche que Jésus est Seigneur, si vous croyez dans le cœur que bon Dieu t'a ressuscité, le sorti dans la mort, et vous sauvez. Mais comment la Bible dit vous sauvez? Donc, vous réalisez que, yes, la foi doit accompagner de l'action. Lorsque vous agissez, il faut qu'on agisse. Matthieu chapitre 5, nous regardons Matthieu chapitre 5 ensemble, qui pourrait montrer que on n'est pas sauvé par la loi et les œuvres, mais on est sauvé par la foi. Parce que la Bible, dans Matthieu chapitre 5, si vous regardez bien, la parole dit que Jésus a accompli la loi. Très important. Jésus a accompli la loi dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus accomplit la loi. La loi te mette une série de gros bagailles loups sous nous pas de accompli. Mais Jésus li prend à la croix. Jésus prend le fond déclaration à la croix. Tout est accompli. Ça veut dire charge yo, burden yo, yo sorti sous dos nous effectivement. Maintenant, en fait, ça pral porter nous dans Galate qui pral dire la loi était notre gardienne jusqu'à ce que Christ vienne. La loi t'a gardé nous, la loi c'est selon lui même nous t'a marché jusqu'à ce que Christ vienne. C'est pour ça que fait la Bible pral clair pour dire nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Qui ça la Bible pral dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 que nous va tourner sous lui tout à l'heure. C'est par la foi que vous êtes. Par quel moyen? Par le moyen de. Et puis il continue pour le dire. Et cela ne vient pas de vous. Ici, ça veut dire que ce n'est pas action yo qui pose. Parce que c'est là que moi, avec vous, besoin de comprendre. Ce n'est pas action yo qui va le sauver. Yo. Mais c'est la foi plus action. Ça, Jacques relève la foi et les œuvres. C'est pas action yo pral faire ou joindre délivrance ou bien ou joindre ça va chercher, mais c'est la foi plus action. Maintenant, la loi t'est là jusqu'à ce que Christ vienne afin que nous soyons justifiés par la foi. Lorsque Christ vienne, mais ça apôtre Paul pral dit dans Romains chapitre 8 verset 1. Il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui est-ce? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pas oublier, pour en Jésus-Christ, il faut quoi? Moun qui est en Jésus-Christ, c'est parce que le quoi, c'est là, ça lui a. Moun qui est en Jésus-Christ, c'est parce que le quoi, c'est là, qui se chemin, ça lui a. C'est parce que le quoi, c'est là, qui source du salut, parce que Jésus est la source du salut. Donc, Galates chapitre 3, verset 24, pour montrer nous que la loi est là, jusqu'à ce que Christ vienne. Mais à la croix, Christ a accompli la loi. Ouais, selon Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus a accompli la loi. Je dis à gon charge, gon burden qui passe sous nous encore. Ça veut dire c'est pas parce que nous accompli les œuvres de la loi qui fait nous sauver. C'est très important pour comprendre ça. Qui va le faire nous sauver, qui va le faire nous agréable dans ce bon Dieu. Mais c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ, puisque nous croyons en Jésus-Christ, m'a marché par la foi et m'a fait ça, Jésus m'a demandé, et c'est lui-même encore qui m'a donné grâce pour faire ça, m'a demandé. Important. C'est lui qui m'a donné grâce pour me faire ça, m'a demandé. À force, nous ne sommes pas capables. Et c'est ça que fait la loi pas d'abjambe bon pour vous, parce que faut que c'est force qui déploie pour capable observer la loi. Mais pourtant, la foi. Libère-nous la grâce. Libère-nous la grâce, mes bien-aimés. La foi
En Jésus-Christ, il permet à ce que nous reconnaissons les nous faibles, même lorsque nous ne pouvons pas prier. Tendez ça, la Bible dit dans Romains chapitre 8. Lorsque nous ne savons que dire dans nos prières, l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Oh, alléluia. Donc, quelle relation encore que la foi gagne et les œuvres dans la Bible? La Bible, dans Romains chapitre 5, le verset 10, on va nous garder le texte ensemble. Elle montre que encore des œuvres sont nécessaires pour le salut, celles de Christ, pas les nôtres. Œuvres qui sont nécessaires, là, ce n'est pas œuvres, nous, ce n'est pas action, nous, non. Pour nous, notre cas de salut, là. C'est ça Jésus t'a accompli à la croix. Ce n'est pas action faite ou non. C'est vrai, il faut qu'on confesse. C'est vrai, il faut qu'on parle. Mais attendez, ce n'est pas action ou non qui utile gros bagaille pour arriver au salut. C'est œuvre que Jésus t'a accompli à la croix. Ça, Jésus t'a fait à la croix. C'est lui-même qui est valable. La foi et les œuvres, ça nous pas de qu'à faire, Jésus fait à la croix. À la croix, c'est nous qui t'es doué là. C'est nous qui t'es doué payer prière. C'est nous qui t'es doué accomplir ça, la loi, exigence que la loi t'a fait nous. C'est nous qui t'es doué accomplir ça. Jésus vient, il dit, toi pour nous. Et puis il prend place nous à la croix. Donc, l'œuvre de Christ à la croix, mes bien-aimés, il y aurait ça. Œuvre salvatrice. Ça veut dire c'est l'œuvre du salut. C'est œuvre ça, oui, qui vaut dans les yeux de Dieu. Ce n'est pas action nous, non, dans le cadre du salut, m'a parlé. Dans le cadre du salut, m'a parlé. Ce n'est pas action nous, non. La Bible va montrer que le sacrifice de Jésus sur la croix nous a réconciliés avec Dieu selon Romains chapitre 5, le verset 10. Œuvre de Christ à la croix, c'est lui-même qui réconcilie nous. Parce que pour nous te mourir, c'est nous qui devons faire œuvre ça pour nous te payer dette nous. Christ mourit dans place nous. Hébreux chapitre 4, le verset 10. Mais ça le bral dit. Hébreux chapitre 4, verset 10, bral dit comme ça. Quiconque entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Ça, c'est dans le cadre du salut. Quiconque entre dans le repos de Dieu, n'importe qui qui accepte Jésus-Christ, il n'y a pas rien encore pour le faire pour le sauver. Parce que Christ déjà accompli à la croix. Ou pas gagner l'argent pour bail, ou pas besoin d'acheter une bouteille de l'eau, ou pas gagner rien. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Et vous savez que moi, il faut servir mon Dieu. Et vous savez que depuis que vous croisez à Christ, automatiquement, il faut railler péché. Pour qui ça? Parce que Christ, c'est lui qui paye dette nous à la croix. L'église, vous croyez ça? C'est lui qui paye dette nous à la croix. Maintenant, nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu, mes bien-aimés, par la foi. Par la foi. Parce que dette moi payée à la croix. Parce que tout est accompli. Parce que bon Dieu fait ça, moi-même, t'as dû faire. Ça ne m'a pas qu'à régler, ça ne m'a pas qu'à faire. Lui-même, lui fait à la croix. C'est œuvre ça, qui c'est œuvre salvatrice. Donc, quand on va parler concernant le salut, ce n'est pas action. Tu as lu, je vais te montrer une action. Action de confesser. Le salut est disponible. Ou seulement besoin de prendre par la foi. En confessant de la bouche, en croyant du cœur, la foi. Et en confessant de la bouche, action. Faut qu'on confesse. Faut qu'on confesse ça. Maintenant, et la Bible montre nous, pour recevoir salut, ça, qu'on y a, œuvre qu'on a dû faire. Qui pour satisfaire la colère de Dieu. Christ, c'est lui-même qui fait à la croix pour vous. Pas j'en oublie, Christ, c'est place où le prend à la croix. C'est où tu es doué sur la croix. C'est où même où tu es doué là. C'est où péché, Christ pas de jambes péché lui-même. C'est où tu as un problème, Christ pas de jambes problème. C'est où tu as besoin de sauver, Christ pas de jambes besoin de sauver lui-même. Jésus pas de jambes besoin de sauver, il dit pas de problème. Mais, il y a une action qui te doué faite. Pour te satisfaire la colère de Dieu, il faut que tu es sous la croix pour rendre péché. Surtout selon le gouvernement romain. Maintenant, le plus important, je vous dis, c'est une question de le salut est disponible par la grâce. C'est seulement venir prendre, puis œuvre la payer. Jésus satisfait la colère de Dieu déjà. Lui payer, prier déjà. Lui sacrifier pour vous déjà. Eh bien, moi-même, ensemble avec vous, besoin de reconnaître pour le salut. Ou pas de gros bagaille qu'on a besoin de faire. C'est quoi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sans question de si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, la Bible dit ou sauvé.
C'est pour ça que je me dis tout le monde, le mystère du salut, il était déjà réalisé à la croix. Sauver pas difficile. C'est marcher dans sauver à problème dans mon air. Rester sauvé, continuer sauvé. C'est à la seconde ou qu'a sauvé. Ah, on a le côté monsieur à la croix. C'est sauver son bagage rapide oui. Vous entendez ça? Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que bon Dieu t'a ressuscité le soutien là-haut, la Bible dit où sauver. Sauver pas un big deal là-dedans pour sauver. C'est marcher sur route salut à Gounia. Pour qui ça? Pour qui ça même? Enfin. Pour qui ça même? Pour qui ça même? Et sauver pas un big deal là-dedans. Parce que tout ça que t'es cher pour te payer, tout ça que t'es lourd pour te payer, Jésus-Christ t'a payé là la croix pour vous. Libre accès, Gounia, entrez. Salut est disponible. Viens prendre. Et c'est pour ça que les gens qui pas accepter Jésus-Christ, mais bien aimé, il faut me dire ça. Puis le gros péché que les commettent, c'est le fait de ne pas accepter Jésus. C'est parce qu'on pas accepter Jésus-Christ. C'est le gros péché. Ouais, parce que le sacrifice a été fait à la croix pour d'être sa fin payée. Jésus-Christ prend place où, et pour vivre toute la vie ou pas accepter Jésus-Christ. C'est ça le gros péché qui existe. Lorsqu'on pas accepter Jésus-Christ. Lorsqu'on pas accepter Jésus. Donc, moi-même, ensemble avec vous, doit comprendre très certainement que oui, dette nous t'est payé à la croix. Donc, n'a pas avancé, petit bon Dieu vivant. Côté nous, Yegounia. Yes. Dans Romains, chapitre 11, le verset 6. Romains, chapitre 11, verset 6. Regardez si moi, quand mettez le sous-screen pour Yegounia. Romains, chapitre 11, verset 6. La Bible a montré nous tout que c'est par grâce, ce n'est pas plus par les œuvres. Lorsque Paul pral enseigner les gens de Rome, il pral faire comprendre que c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Grâce à pas grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ça, c'est apôtre Paul lorsqu'il a enseigné les gens de Rome sous même question à parler là. Sous même question, la loi, la foi, la grâce. Et puis, apôtre Paul a dit, mais si, oh, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, si c'est ta œuvre, nous, eh bien, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, apôtre Paul a montré à les gens de Rome comment ils doivent comprendre que ça que fait là, ce n'est pas la grâce. Bon Dieu, Jésus vient, il satisfait la colère de Dieu. Pour nous pas mériter ça. Il fait ça par la grâce. En nous avancer plus loin, dans surtout dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9, que nous avons parlé tout à l'heure. Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9. Mais ça, il dit comme ça que ce n'est point par les œuvres. Alors, verset 8, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On nous lit ensemble. Non? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Maintenant, verset 9 là, il est très important. Verset 8 montre-nous son cadeau que mon Dieu m'a nous. Regardez verset 9 là très bien. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Très important. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. L'on n'a pas les du salut. A fait œuvre ou à mettre le de côté. Ma parler dans quatre œuvres pour satisfaire la colère de Dieu. Très important. Dans quatre œuvres pour te payer dette là. Dans quatre faire une action pour te payer prière. Dans quatre faire une action pour te satisfaire colère, pour te empêcher colère tomber sur toi. Pas grand rien ou qu'a fait. Pas grand rien ou t'es qu'a fait pour ça. Absolument rien. Pas grand rien ou fait. Mais maintenant, gardez sa petite bon Dieu. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Comment faire ce n'est point par les œuvres? Parce que Christ a accompli les œuvres à la croix. Et ça fait la Bible dit dans Matthieu 5, Jésus-Christ a accompli la loi. Parce que la loi t'a exigé les œuvres. La loi t'a exigé des offrandes. La loi t'a exigé pour me foncer de bagaille. Mais Jésus vini, il prend tout pour moi. Jésus vini, il paye tout pour moi.
bagay gros bagay besoin fait encore pour le salut parce que Jésus t'a été satisfait la colère de Dieu. Jésus t'a été payé prière. Maintenant, apôtre Paul dit, tenez bien, mon Éphésiens, attendez-nous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie pour ne pas venir dire comme ça que et 10 000 dollars payés pour me sauver là moi-même. L'autre n'a pas paraît, il dit c'est 100 000 dollars payés pour me sauver. Ah, mon cher, je me dis, elle a tellement raide parce que je vais le trépasser. Rapidement, son million bail pour me sauver. Ce n'est pas par les œuvres. Pour ne pas venir monter estomac pour dire, je vais tout le temps payer pour m'acheter sauver. Oui. Petit bon Dieu, dis merci Seigneur non, parce qu'il sauve. Dis merci Seigneur. Dis ça, puis fort, dis merci Seigneur. Petit bon Dieu, je ne peux pas réaliser. L'ampleur de ça n'a pas parlé là. Dans le sens que tout ça a été payé, Jésus-Christ payé au bout. C'est ça que je parle là. Toute exigence, la loi te fait, Jésus satisfait tout. Bon, moi, dis encore, c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 5, 17, il dit, Jésus a accompli la loi. Accompli la loi, ça veut dire. Ça veut dire, Jésus payé exigence, la loi. Yo. Pourquoi nous tous connaissons dans l'Ancien Testament, lorsqu'on pas, d'ailleurs la Bible dit ça, il dit comme ça que lorsque vous êtes coupable de yon commandement, ou coupable de tout. Ou coupable de tout. Bon, où est-ce que moi-même avant de me comme ça? Mais bon Dieu fait nous grâce. Combien de monde bon Dieu fait grâce à soi? Hein? Bon Dieu fait nous grâce. Donc ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Maintenant, à nous parler des exigences que bon Dieu fait qu'on a. Les exigences de Dieu pour le salut est la foi en son Fils. Mais qui exigence que mon Dieu fait? Seul bagage mon Dieu m'a donné pour le salut, c'est mettre foi dans seul petit, il y a Jésus-Christ que le dévoué. Ça, Jean 3, 16 dit encore, petit bon Dieu. Qui ça, Jean 3, 16 dit encore? Car Dieu a tant aimé le monde, ça le fait. Il a donné son Fils hein, afin que quiconque croit en lui, qui s'est cassé, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais exigence mon Dieu. Mais exigence, mon Dieu, pour le salut. C'est une question de qui qu'on croit en lui. Mais qui ça, mon Dieu, m'a dit, pas oublier, l'homme, c'est tout à l'heure, puis gros péché, ou moun commettre, c'est lorsqu'on pas accepté Jésus-Christ. Moun ça, c'est terrible parce que ou pas accepté le sacrifice qui a été fait à la croix pour vous. Eh bien, exigence, mon Dieu, pour le salut, c'est la foi en son Fils. Afin que qui qu'on croit en lui, afin que qui qu'on croit en lui, ne périsse point. Donc, vous comprenez avec moi, l'inverse est aussi vrai. Quiconque ne croit pas en lui a péri. Quiconque ne croit pas en lui a péri. Se voit. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, nous justifier par la foi. Nous justifier par la foi en Jésus-Christ. Pas oublier le texte qui a commencé dans Jacques, qui dit comme ça que c'est question de la foi et les œuvres. On va essayer de clarifier ça beaucoup plus. Dans l'exigence que bon Dieu fait concernant le salut, c'est quoi seulement dans petit lit. Pour Abraham, tu es arrivé à jouer une justification. Genèse chapitre 15, pour dire nous bagaille qui est extrêmement important, que Paul va le rapporter puis devant dans Romain. Et Jacques va le parler de ça tout. Qui ça va le dire? Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Qui ça fait Abraham t'es juste mais bien-aimé? Qui ça fait ça? Parce que il était quoi? Public. Qui ça fait Abraham t'es jeune justice? Parce que qui ça fait Jodia jusqu'à ce que vous parlez Abraham le père de la foi? Parce que Abraham t'es quoi? Et t'as le Abdabdou ça? Abraham quoi depuis le? Y aurait l'île dans la maison Kaï Papal qui pas même converti. Hein? Y aurait l'île depuis la Kaï Papal. Et Abraham quitte pays, il quitte patrie, il allait effectivement. Moi-même, j'avais au fond de 25 preuves aujourd'hui. Et si nous t'attendons de voir ça encore, non, ça va pas foutre voir bon Dieu qui vient dire aller et puis pour ne pas dire qui côté. Non, bon Dieu, pas comme ça, tombe déjà. Et ça fait, mes bien-aimés, gardez-les, moi-même, avoir nous chasser, nous dit tombe déjà, pourtant c'est bon Dieu, nous chasser sans nous rendre compte. Parce que ça moi m'a pas besoin de comprendre. Jean mon Dieu agit le plus souvent pas obligé dans sens où et puis devons pas le comprendre pour qui? Est-ce que il y a monde qui comprend ça me dire là? C'est puis devons pas le comprendre pour qui? Parce que le plus souvent moi m'a chercher pour bon Dieu faire bah l'argent vleya. Et non, la Bible dit qu'on sait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies.
La Bible dit la pensée de Dieu, ce n'est pas pensée pas nous lier. Et ça ne fait pas prendre mon Dieu pour coincer le cliché, pour faire qu'on est manche. Non, c'est à droite pour passer, c'est à droite pour passer, c'est à droite pour passer. Il y a deux laisses à marcher, dans le coup Gédéon, à démarcher pour Gédéon. Et on dit, ok, je vais mettre Timo sur toile là, je vais mettre Timo sur nappe là, faire la pluie tomber sur lui seulement. Ça marche pour lui. Gédéon tourne encore, dit, oh, ok, bon, pas un problème, qu'on y a, pour monter, c'est ou parler vrai soir avec nous, faire la pluie tomber autour de lui pour lui même, lui ne pas mouiller. Mon Dieu fait ça pour lui. Elle te marche pour Gédéon comme ça, mais elle va obliger marcher pour vous comme ça. Il va obliger marcher pour vous comme ça. Ne songez pas Balaam. S'il te marche pour Gédéon comme ça, elle va marcher pour Balaam comme ça. Bon, tu parles avec Balaam, Balaam va comprendre. Balaam va comprendre. Et jusqu'à ce que mes anges devant Abraham, Abdi Balaam, pas avancer, Balaam va comprendre. Jusqu'à ce que l'Éternel oblige à faire bourrique la parole en balle. S'il te marche comme ça pour frère, il va obliger à marcher comme ça pour. Bon Dieu, pas monotone, petit bon Dieu. Bon Dieu, pas monotone. Dans le Nouveau Testament, l'Éternel dit, Pierre, va à Jopé. Il va Pierre en vision encore. Il montre Pierre, avec des apôtres chapitre 10, il montre que Pierre doit descendre à Corneille. Il montre clair, bien clair, des gens qui viennent, qui viennent chercher, qui viennent jouer à la Corneille, où mettre aller. Mais vous-même, il va obliger de vous côté pour aller. Il va vous lever, aller. Il va obliger de vous. Il va obliger de vous donner une explication. Ok. Ça ne va pas vous dire pour pas prudent, ce faut qu'on prudent. Maintenant, le respect de la loi ou de bonnes œuvres, bagaille ça ou pas qu'à accomplir. Pas qu'à accomplir ça, bon Dieu, vous mes bien-aimés. Parce qu'on respecte la loi, parce qu'on a des bonnes œuvres, pas satisfait, mon Dieu. Ça qui satisfait, mon Dieu, c'est la foi. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oh, il y a trois personnes qui d'accord. Est-ce que. Ça qui satisfait, mon Dieu, encore petit, mon Dieu? La foi. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il dit, oh, qui ça? Sans la foi, ça crive. Il est impossible de lui être agréable. Ou pas qu'à faire, mon Dieu, plaisir. Agréable texte, lui, second, mais c'est agréable, mais c'est faire plaisir à Dieu. Ouais, sans la foi, vous ne pouvez pas faire plaisir à Dieu. Vous ne pouvez pas lui plaire. C'est ça, texte, ça veut dire. En un mot, qui s'est passé? J'ai besoin de la foi pour vivre. Et me démontrer nous ça ici. La foi dans tout aspect de la vie. Si vous voulez réussir, c'est la foi. Vous voulez guérir, c'est la foi. Tout aspect de la vie, c'est la foi. Parce que quand vous dites marcher avec bon Dieu, quand on doit marcher avec bon Dieu, pas de moyen pour réussir à marcher avec le Seigneur que par la foi. Parce que nous marchons par la foi et non par, non par la vie. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, selon Tite chapitre 3, le verset 5. Tite 3, verset 5, c'est ça le pral, instruit nous pour le faire nous connaître. Comment nous sauver? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, comme si parce qu'on fait bien. Vous comprenez? Oh, c'est monde qui prend Kamoun en pile. Mais non, tenez bien. Il y a monde qui pas même converti prend Kamoun puis bien passé. Mais ça qui peut satisfaire bon Dieu, c'est action plus la œuvre. C'est action, c'est la foi pardon, plus œuvre là. Ouais. Donc, lui sauver nous, ce n'est pas à cause, ce n'est pas selon des œuvres de justice que nous-mêmes nous faisons. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous faisons des choses qui sont censées pour nous, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Et ce n'est pas des choses que nous méritons. Dans des petits bon Dieu, ce n'est pas des choses que nous méritons du tout. Et la Galate va nous montrer ça très très bien. Apôtre Paul va faire une déclaration dans Galate, il va dire, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si c'est selon la loi ou bien selon les œuvres que moi-même avec vous, que moi-même avec vous, nous t'a justifié. Apôtre Paul dit, mais Christ mourit en vain. Christ n'a pas de raison pour le mourir. Et si c'est l'offre fait bon, l'offre fait bien avec moun. Vous comprenez? L'on fait bon bagay, l'on fait gros offrande, c'est ça qui justifie. Et mais Christ n'a pas besoin de mourir. Christ n'a pas besoin de mourir. C'est ça, apôtre Paul, lorsqu'il a enseigné les gens de Galate, pour les dire. Donc, si nos œuvres
pouvait nous sauver, alors Christ est mort pour rien. Christ n'a pas besoin de mourir. Si œuvre, t'es qu'à sauver. Mes amis, valait bagaille David, bye. David a construit un temple, mes amis. Bagaille David, bye. David décidé pour le bye plus passer tout le monde. Plus passer tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague. C'est pour comprendre que il y a des gens qui ont bâillé plus passé. Ou même qui là, si tu as dit son bagage est bâillé pour sauver. Bon, mes amis, qui sont gagnés vrai que tu as satisfait, bon Dieu, parce que c'est des gens qui sont multimillionnaires. Imagine au côté de parler là, ça fait longtemps que je bagage ça, mais gagné côté de parler là, il y a une machine qui vend 1 500 000 dollars. Une machine où on a couru, il y a deux portes. Li coûte 1 500 000 dollars. Ouais, 1 500 000 dollars. Donc, ou même, ça allait dire, on est comme ça. Pour on est acheté une machine 1 500 000 dollars, il faut gagner plusieurs millions. Et pas ça? Bon, moi-même avec vous, si le Seigneur t'a demandé nous pour nous sauver, pour saluer ça, ça ne t'a pas là. Ou quoi, on est que ça, on ramassé tout sauver et puis au chéri. Hein? Eh, petit bon Dieu. Mes amis, il y a des gens qui t'ont acheté de sauver à net. Et puis c'est vous pouvez acheter un petit bagage dans lui. Bon, je vous dis, vous comptez ça que faire ou à l'acheter à Walmart? Parce que Walmart achète en gros lui-même. Ou même ou à l'acheter en détail. Non, mais. Le Walmart a acheté, l'acheter des centaines de caisses. Ou même l'a acheté ou acheté une caisse. Ça veut dire ou à l'acheter en détail. Vous comptez ça que passe là? Mon cher, vous avez souffert en pile pour jouer notre petit grâce à Walmart. Oui. Et demandez-moi combien vous avez vaut. Vous avez dit, mon Dieu, merci parce que le sauveur va la grâce. Oui, petit mon Dieu. Vous avez dit, merci, Seigneur. Oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, abonnez-vous pour dire, mais si ce n'est pas les œuvres de la loi que nous sauvons, eh bien, Christ mourit pour remercier. Christ est pour remercier le mourir. En tout cas. À nous, oh, mes amis, et là, toutes les salles qui sont là, qu'est-ce oh. En nous, rapidement, les œuvres sont le produit de la loi. Œuvres, nous, action, nous, c'est produit la foi, pardon, de vous dire vos phrases. Œuvres, nous, action, nous, c'est produit la foi, nous. On a, mais œuvres que nous devons faire, nous-mêmes. Œuvres que nous devons faire. C'est ça, Jacques a expliqué dans Jacques chapitre 2. Si je crois, il faut m'agir. Si je crois, il faut m'aider les gens. Si je crois, il faut être bon envers les gens. C'est ça, Jacques a expliqué. Maintenant, œuvre nous, c'est produit moun. C'est produit alors la foi, confiance que nous gagnons dans mon Dieu. Maintenant, moun qui gagne une vraie foi en Jésus-Christ, attendez ça. Moun sa yo a désiré toujours pour yo faire bien. Bam, moi dis ça. Tout moun qui dit yo croit en Jésus-Christ, yo c'est disciple de Jésus-Christ, yo désiré faire même j'avec Jésus. Apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5. Lorsque l'apôtre Paul a enseigné le peuple éphésien, mais ça le dit, dans l'être là, il dit comme ça que devenez donc les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Vous voyez ça? À l'exemple de Christ qui nous a aimés. C'est pour nous imiter, mon Dieu. Ça veut dire tout le monde qui a la foi en Christ, il n'y a pas l'autre bagaille qu'il désire faire, c'est pour marcher comme Christ. Christ te remet, il voulait remet tout. Christ te fait bien, il voulait faire bien tout. Donc tout le monde qui a la foi en Jésus-Christ, c'est ça que vous devez faire. En nous vérifier le texte pour nous. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, Tite pralre le ça, il dit zélé pour les bonnes œuvres. Moun qui accepte Jésus-Christ, yo gon zèle pour yo faire bien. C'est la foi plus action. C'est de ça. À Jacques a parlé dans Jacques, chapitre 2, qui dit comme ça que si vous avez la foi, ou pas faire rien, la foi là, c'est la foi mourir. Ou pas avoir la foi vraie. Maintenant, Matthieu, chapitre 3, Jean-Baptiste va le faire nous connaître que Jean-Baptiste lui-même va le montrer nous que la foi qu'on a la permet nous produire de bonnes œuvres. Tout le monde qui a la foi, lui produit du fruit digne de la repentance. Tout le monde qui a la foi, lui produit qui ça encore fruit digne de la repentance. Lorsque son monde sauvé ou agit tant que monde sauvé ou traite monde tant que monde sauvé. Est-ce que l'église d'accord ça m'a dit là? Tant que monde sauvé. Maintenant, c'est ça, sous où la foi en Christ. Tout désir ou c'est fait comme Christ. Il te fait bien ou va chercher fait bien tout. Il remet moun ou va chercher remet moun tout. Tout désir c'est comme Christ. Maintenant, Jacques mettait accent, c'est important. Jacques mettait accent sur la nature de la vraie foi.
C'est ça Jacques a traité. Il mettait accent sur la nature de la vraie foi. La foi salvatrice comme celle qui aboutit à de bonnes œuvres. Il mettait accent sur la foi moun qui sauve yo comme moun mettait sous screen dans pour vous et comme moun qui décide qui désire chaque jour pour le faire bon bagaille. Pour le montrer que c'est moun qui croit en Christ, c'est moun qui marche à Christ, parce que l'or agit bien ou montrer si c'est Christ qui était ou même, mais comment il t'a agi. Parce que Christ pas sous la terre encore. Christ sous la terre, oui, mais en esprit, l'a vive dans où. Donc par le fait que moun qui a gardé, il n'y a pas qu'à Christ physiquement, c'est où vous présentez, et mais Christ t'a fait bien tout. Christ pas t'a dit moun bêtise, ça, pas dit le tout. Ou c'est représentant Christ. Ou c'est monde qui d'accord pour Christ vivre dans où pour représenter Christ. Donc quand vous dites la foi, tout désir c'est marcher comme Christ. Est-ce que c'est qu'on soit ivre l'église? C'est marcher comme Christ. Donc la foi sans les œuvres, c'est normal pour apôtre l'a dit, son foi qui morte. C'est là Jacques chapitre 2 verset 17 là, pral dit il en est ainsi de la foi. Li avec nous. Il en est ainsi de la foi, quoi d'autre? Si elle n'a pas de bonnes œuvres, elle est morte en elle-même. Pas vin di ou gen la foi sous pas fait action. Pas vin di ou gen la foi sous pas aider moun. Pas vin di ou gen la foi sous wè moun nan le besoin et puis pour ça pas di ou rien. Pas vin di ou gen la foi. Si même ou offrande ou pas kabay. Pas vin di ça. C'est retiré qu'on a offrande là. Oh, et pas moi même qui dit c'est la Bible. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Abel. Que celui de Caïn, pardon. Que celui de Caïn. C'est par la foi. Tout ça va régler dans le royaume. Le royaume, bon Dieu, son royaume qui fonctionnait comment? Par la foi. Ou pas qu'à Dieu, c'est serviteur, bon Dieu. Et puis, on va marcher suivant son ouais déjà. Oh oui, et c'est bon Dieu dit ça, oui, mais ben, dans d'autres conditions. Oui, bon, c'est vrai, la Bible dit ça, mais il faut faire attention. Ou doit croire bon Dieu même pour dire fou? Ou doit croire bon Dieu pour poser des actions pour dire tête ou pas bien? It's okay. Même d'ailleurs, on comprend le monde qui dit tête ou pas bien et tête n'est pas bien. Et pas tête ou pas bien, oui. Voyez-vous? Donc, il en est ici de la foi. Si elle n'est pas les œuvres, si elle n'a pas les œuvres, pardon, elle est morte. En elle-même, sur la foi mourir ou gagner, parce qu'on ne peut pas agir par la foi qu'on a, ou bien agir selon son ouvre. On nous garde Jacques 2, verset 26. Regarde ça, verset 26, ça dit rapidement. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, pas la même non. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est quoi? Est morte. De pourquoi faut agir? De pourquoi faut faire bien? De pourquoi faut agit dans le sens que mon Dieu l'a agi. Et pourquoi? Important. Important, mes bien-aimés. Important. Et bral montre la foi et les œuvres, suivant Jacques, sont inséparables. La foi sans les œuvres, sont inséparables. Parce que bral montre un bagage. Hébreux, chapitre 11, verset 6, en nous tourner encore. Là-dedans. Et ça le dit encore. Hébreux 11, verset 6. Mets-le sous-screen, en nous garder ensemble avec moi rapidement. Ça le dit encore? Or, sans la foi, qui s'est passé? Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Campez là. Le verbe approcher ici, dans le conditionnel s'approcher, son verbe d'action que lié. Ça veut dire l'aime approcher beaucoup de mon Dieu. Réseau que femme doit approcher comme bon Dieu, c'est quoi m'coué là? Nous l'avons, l'église, nous l'avons. Le fait que m'poser action, ça c'est quoi m'coué là? Qu'il est, non seulement m'coué là, qui ça l'a fait encore? Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour m'coué que bon Dieu a récompensé. Nous sommes message dimanche, pas vrai? C'est pour nous croire que bon Dieu a récompensé moun qui croue qui a cherché lui. Bon Dieu a bay récompense à moun sa yo. Comment ça a privé fait encore? Par la foi. Donc la foi et les œuvres ici, yo marché de pair.
Et les œuvres. Pas dire mon quoi ou pas poser action. Et ça permet à ce que nous allons l'autre niveau tout, qui niveau lié, qui c'est dimension côté sous quoi effectivement faut agir. Bon, je vais juste brosser deux textes ensemble avec vous pour nous finir parce que pour nous capables de sortir en ligne. Mais bien aimé, Abraham, montrez-nous que la foi pas marcher sans action. Abraham, montrez-nous que la foi pas marcher sans action et la foi marcher ensemble avec action. Texte ça on the screen now, but that traduit vous. That is it. Faith and works are inseparable as sun and sunlight. La foi inséparable, même gens, lumière pas qu'à séparer le soleil là, c'est comme ça la foi, les œuvres n'est pas qu'à séparer de la foi. C'est comme ça les œuvres pas qu'à séparer de la foi. Et bon nous texte, Hébreux 10, verset 38, regardez ça pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 36. Nous allons virer la Bible, cherchez le petit bon Dieu. Hébreux 10, verset 38. Et ça dit. On va chercher. Hébreux 10, 38. Qui ça le dit? Mes amis, pour dire une parole, la Bible pour nous, verset 38. Mm-hmm. Et mon juste vivra comment? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Même bagay là qui pral répéter puis devant dans Hébreux chapitre 11 verset 6 là. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Li verset avec puis fois non verset de Hébreux 10 38 ça dit et mon juste vivra comment? Par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si moun ki di yo gen la foi, mes bien-aimés, si moun ki di yo gen la foi, yo pa fait rien, bon Dieu pa prend plaisir dans ou? Dis avec moi, la foi est active. Dis ça, la foi est active. Ouais, la foi est active, où est action? Où est la foi pas passive? C'est pour bagaille un jos, un kwè et puis un chita. Non! Et bien, je vais vous montrer un bagage qui passe rapidement dans l'histoire de Élisée. Mais bien aimé, nous rappelez-nous, histoire ça, m'a expliqué rapidement parce que nous devons sortir en ligne. Tenez ça. Nous rappelez-nous, Élisée. Lorsque monsieur yo pral traverser Jourdain, il a coupé bois, pas vrai? Ça t'est arrivé. Hache qui était dans monsieur yo, il est tombé dans l'eau. Gardez-nous dans 2 Rois chapitre 6 du verset 5 jusqu'au verset 7. Mais bien aimé, verset 6 ça pral dit: l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Là yo apprend Élisée côté hache là tombé. Élisée pas chita côté lié et puis pour dire hache monté. Ça le dit. Il dit alors est-il lui montra la place? Bam lit très bien verset 6 à vous. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Est-il lui montra la place? Li avem. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Côté bagay ça qu'on fait mes amis pour bois à faire monter saute dans de l'eau. Où est ça ces bagailles? Ou pas ouais, si Élisée dit au monde comme ça que pour qui peut, mais là on fait là, mais là on mo ce bois là et puis m'a faire hache la monter. Ou pas ouais, a dit Élisée ouais, si perdit tête ou toi. Côté bagaille comme ça. Mais ça me donne mon ouais dans texte ça. La foi avec action, yo marché de pair qui s'allier c'est une question de Élisée dit montre-moi quand elle tomber. Et puis la Bible dit comme ça que il coupa un morceau de bois. Action. Il coupa un morceau de bois, il la gueule dans place ça. Et puis immédiatement Élisée croit, il fait action, Élisée joue un résultat. Gardons la formule là. Nous la formule là qui ça lit encore? Il croit, il fait action et puis ça le joue un résultat. Donc la foi plus action égale qui ça qu'on a? Égale résultat. Oh, une bonne nouvelle pour vous. À partir de la Bible. La foi seulement pas suffit, non, pour jouer un résultat. La foi seulement pas suffit, non. C'est la foi plus action qui a le bon résultat à chercher, oui. Un ou deux besoin de job et pour ne pas jamais l'appliquer. Moi, je ne pas même prendre le téléphone ou même pour attendre le vélo.
Yo même gagne information même. Mais nous, dit pas possible, c'est action, c'est la foi, action qui bail résultat. Qui ça bail résultat petit bon Dieu? La foi et action. La foi et action. Élisée dit montrez-moi côté elle tombé. Yo montrer côté Élisée. Élisée pas juste rester le parfum hein. Il coupe un morceau bois, il a gueule en place ça et puis il joint le résultat. Faut gagner la foi pour couper pour son morceau. Alors, excusez-moi, ma connaît des doué font recherche scientifique sur ça. Mais pense la science pas qu'à expliquer bagaille ça. Comment bois pour le faire monter? Ou quoi faire son métal lié li lou? Mes amis, la foi plus action. Bon, bon dernier texte, parce que je ne vais pas aller à rien. Matthieu chapitre 14, du verset 28 jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 14, du verset 28 jusqu'au verset 33. On nous garde ça rapidement avec moi. Matthieu, premier livre dans le Nouveau Testament. Dans le petit bon Dieu. Ouais. Matthieu, dans le 14e chapitre là. Dans le 14e chapitre là. Matthieu, chapitre 14, vous venez là. Matthieu, chapitre 14, verset 28, pour arriver dans verset 33. Sous-joigne-lui, lis avec bien fort, nous allons finir. Qui ça le dit? Pierre lui répondit. Oh, mon Dieu, mon Dieu, pas joindre Matthieu, chapitre 14. Matthieu, non, Matthieu, oui. Matthieu, chapitre 14, lis avec bien fort, on va aller. Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, qui ça? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, ça vous fait, vinrent se prosterner devant Jésus et ça vous dit, et dire, tu es véritablement qui? Le Fils de Dieu. Petit bon Dieu, n'a pas les talents. Tenez bien. Pierre, en bas en tempête, mais Pierre en bas tempête là, tempête a bouleversé. Sac Pierre là, mais Pierre ouais Jésus qui a venu. Tempête a tellement bouleversé yo, yo qui t'a pas reconnaître Jésus encore, yo dit son fantôme. Dans bon créole, son fantôme le dit qui ça, l'église. Son zombie. Yo dit son zombie qui a venu. Maintenant, Pierre est assez audace pour dire Jésus, si c'est où, permettez-moi marcher et venir jouer nous sous de l'eau. Je sens que c'est Pierre seulement pour t'a dit ça. Ok. Je n'ai pas de temps pour me dire ça. Est-ce qu'on réalise ou pas doué agir même Jacques tout le monde? Ou pas doué même Jacques tout le monde? Tout l'autre nègre chita dans le bateau. En bas tempête là, a tremblé, Pierre lui-même lui décide de faire l'autre pas. Ou pas obligé agir même Jacques tout le monde? Ou pas obligé de même Jacques tout le monde? C'est normal. Moi-même, je demande, on nous fait spéculation. Je demande, est-ce que nègre va dire, ou fou? C'est là, mais oui. On connaît les pêcheurs poissons, on connaît l'argent vrai. Mais, et marcher où? Du marcher sous de l'eau? Ou j'aime qu'on ne voit pas que ça fait? Chita! Je ne sais pas combien de monde a de pression concernant le projet organien qui pour tout le monde n'est pas réalisé. Ah, on n'a pas parlé de ça après. Mais tenez bien. Mais ça, mais vous comprenez, c'est que Pierre quoi? Il est levé, il est marché. Pierre quoi? Ça le fait? Il est levé, il saute dans le bateau et puis il marche. Donc, je dis à ça, a été gravé dans l'histoire, mon seul disciple qui était marché sous l'eau, comment le lit? Pierre. Gen bagay, c'est avoir pour le fait. Gen avoir, même s'il n'a pas fait à personne, mais il faut le faire avec vous. Mais il faut d'accord, il faut qu'on croit, et puis il faut qu'il y ait qui ça encore. Il faut agir. Il faut qu'on croit, et puis il faut faire qui ça. Il faut agir. Ou pas qu'on croit, chita dans le bateau. Jésus, si c'est où, permettez-nous de venir jouer nous. Et pour là, on va trembler, ou tellement peur, on va mettre Dieu dehors. Non. Oh, moi, même papa, mais. Maintenant conduire machine, maintenant conduire. Et sans jouer conduire machine, non? C'est sans jouer conduire.
Est-ce que ces anges, ouais? Et puis ça que Pierre là va venir chita devant machine mon ou bien dans machine mon pour conduire. Ces anges ouais fait sous ah. Mon on naio Valérie, attendez. Valérie. Parce que l'heure est arrivée. Mais pas oublier, sous quoi faut agir. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Sous du quoi ou pas jamais poser action suivant son quoi, son foi mourir ou pas jamais résultat. Et bon Dieu pas agi pour moun qui seulement quoi qui pas agi. Ça Jésus dit Pierre encore. Pierre ou mettre vini. Mettre vini et puis Pierre d'accord sort-il marche. La foi sans les œuvres est une foi morte. Que bon Dieu bénisse nous et nous accroisse. Bye bon Dieu gloire petit bon Dieu. Nous bye bon Dieu gloire. Gloire à Dieu.